Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce quatrième numéro de Game Dev Talk, le podcast qui donne la parole aux acteurs et aux actrices du jeu vidéo. Je reçois ce soir Rémi Boachereau, salut. Salut, merci de me recevoir. Ben, merci à toi d'accepter mon invitation. Est-ce que tu m'entends bien Rémi Ouais ouais, je t'entends parfaitement. Parce que Rémi, vous l'ignorez peut-être, mais Rémi euh, est à l'autre bout de l'Atlantique, non pas encore. Tu es encore en France. Encore en France pour juste... Quelques heures, c'est ça. <laughs> c'est ça, parce qu'après tu repars euh, en Californie pour, euh, pour le boulot. Exactement. De toute façon, on va tuer le, le suspense dans l'œuf, puisque bah, vendons la mèche, tu es game designer aujourd'hui chez Hangar 13, c'est comme ça qu'on prononce, ça. je crois. Et donc, tu bosses en Californie, euh, c'est près de San Francisco, je crois, le, ouais, c ça. les studios. C'est juste à une demi-heure de San Francisco. D'accord. Bah écoute, Rémi, je propose qu'on attaque euh, directement cet entretien par une petite partie sur, euh, bah sur toi, en fait. Est-ce que tu pourrais vite fait euh, te présenter comme tu, comme tu l'entends? Alors, je m'appelle Rémi Boichereau. Euh, je suis game designer professionnel depuis maintenant 5 ans. Je suis sorti d'une école en France qui s'appelle Supinfo Game. Donc, qui, qui forme des, des, game designers, des, euh, des produceurs et maintenant des, euh, des programmeurs et des artistes pour le jeu vidéo spécifiquement et euh, il y a quelques mois c'était en octobre euh, le 7 octobre précisément j'ai sorti un jeu qui s'appelle mafia 3 euh, donc est sorti par, euh, par une équipe euh, en californie donc qui s'appelle hangar euh, euh, 13 ou hangar 13 comme je, comme je dis et puis une autre équipe en République tchèque à Bruno. Ah, donc vous étiez deux teams c'est intéressant je savais même pas c'est ça <laughs> je crois que d'accord et, euh, et du coup, euh, pour attaquer chronologiquement un petit peu ton, ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a, euh, étant gamin, amené à, à tomber, on peut dire, dans la, dans la passion du jeu, puisque je suppose que pour en être amené à devenir game designer, il faut être un petit peu passionné par, par le jeu vidéo. Alors j'ai, ouais, ouais, en fait, j'ai toujours joué. J'ai vraiment toujours joué aux jeux vidéo depuis que je me souviens euh, de mon existence sur cette terre. Euh, <laughs> j'ai euh, vraiment toujours joué aux jeux vidéo. Je me souviens surtout avoir euh, donc j'ai commencé sur, euh, sur Atari ST. Euh, J'y jouais euh, pas, pas très très souvent parce que c'était chez ma grand-mère euh, qui était une joueuse euh, déjà. Et, euh, et ensuite j'ai eu ma Game Boy à moi. Et là, là ça, les choses sérieuses ont commencé. Et, euh, et une petite anecdote sympa, c'est que ma ma mère me racontait que euh, quand je jouais au jeu donc sur sur Game Boy, euh, j'avais euh, j'observais quelques quelques bugs et des soucis dans, dans le jeu, euh, dans dans certains jeux et j'envoyais des lettres à Nintendo directement pour leur demander de de de, de des, des changements que j'avais observés. Alors j'avais euh, j'avais quoi j'avais 4 5 ans 6 ans maximum, j'ai jamais eu de réponse mais mais c'était quelque chose que je faisais parce que <laughs> Bah, c'est sûr que ça m'aurait vraiment étonné que Nintendo, alors avec un, 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 un officiel de l'entreprise, t'envoie une lettre. Tout à fait. Nous avons bien reçu euh, vos recommandations. Surtout qu'à l'époque, c'était quand même plus compliqué de, de modifier les jeux, puis il n'y avait pas de patch à télécharger. Ouais, ouais. ouais. Donc bon. Mais c'était mes notes. Il y avait déjà l'âme du. Coup, du user researcher, comme on dit maintenant. <laughs> bah, je faisais l'expérience des, des jeux et puis euh, et puis je jouais, euh, je jouais beaucoup, donc euh, je faisais, je partageais ça. <laughs> Alors, je sais pas si euh, même si même si quelqu'un a lu mes notes, ça me ferait plaisir. Juste ça. J'adorerais, euh, j'adorerais pouvoir euh, pouvoir les lire aujourd'hui, euh, voir un petit peu ce que euh, ce que <laughs> ce que j'écrivais. Donc, s'il y a des s'il y a des responsables de, de Nintendo France ou ou quoi ou qu'est-ce qui, euh, qui écoute ce podcast j'aimerais euh, beaucoup retomber sur mes, euh, sur mes lettres <laughs> perdu dans les limbes des, euh, des courriers des des lecteurs et eh ben écoute j'espère pour toi que ça se concrétisera même si honnêtement je, je voudrais pas te décevoir mais j'en doute un petit peu j'en doute un petit peu aussi <laughs> Soyons lucides. Euh, une autre petite question sur justement ta, ta jeunesse, en fait, ce qui t'a amené un peu à. Bah, tu disais que tu t'avais toujours joué, mais euh, de ton enfance, si tu devais garder qu'un seul jeu qui t'a fait, fait aimer les jeux vidéo, est-ce que tu aurais un titre comme ça qui, qui sortirait Une expérience en particulier qui sortirait un peu du lot comme ça Alors, un jeu, c'est un petit peu un petit peu difficile, euh, mais si, si je devais en choisir un, ça serait. Euh... Ça serait Zelda sur Super Nintendo, à uh, A Link to the Past, que, euh, que j'ai trouvé absolument incroyable. Uh, déjà parce que graphiquement, en fait, il est, euh, il était magnifique, et je trouve qu'il l'est toujours. Uh, pas mal de jeux sur, sur Super Nintendo, en fait, ont très très bien vieilli. Ils ont toujours une patte, une direction artistique que, que, je trouve, que je trouve excellente. A Link to the Past aussi, c'était, euh, c'était surtout, Ouais, c'était un gameplay au poil, euh, des ennemis que, que j'arrivais à... J'avais l'impression que c'était un monde très, très complexe. Et un jeu difficile, mais, euh, mais c'était quelque chose d'abordable pour... Euh... Alors je sais plus quel, quel âge j'avais quand, quand il est sorti, mais j'étais euh, vraiment euh, complètement, euh, complètement absorbé en fait par le monde et par les mécaniques de jeu, le fait de d'avoir de découvrir un nouvel objet qui te permet de, de courir vite et puis de défoncer des 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 obstacles et découvrir toute une toute une nouvelle partie du monde avec ce avec ce nouvel objet en fait c'était vraiment un game design euh, que j'ai trouvé bah, à l'époque à l'époque c'était pas ma, mon raisonnement encore mais mais euh, aujourd'hui je le trouve extrêmement élégant dans sa manière de créer un monde euh, et puis euh, en, tant en termes de en termes de gameplay et de world design aussi parce que quand quand on voit la map de de Link to the Past en fait c'est c'est du génie de, de progression de uh, uh, et ouais ça serait ça serait mon jeu référence encore aujourd'hui je pense que c'est une référence pour pour beaucoup de, de game designers ouais, et ouais. même pour les joueurs je pense que n'importe qui qui se lance aujourd'hui dans 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 Zelda 3 a, a encore cette magie tu vois du, du génie de, de, de Nintendo à l'époque et, euh, et je pense que c'est un génie qui est, qui est carrément intemporel, mais là je digresse sur ma propre opinion, <laughs> euh, c'est pas forcément le, le but. Euh, donc Zelda 3, et puis ensuite bah, toute, une, toute une vie de, de joueur, qui ouais. t'amène donc après le bac à considérer une, une carrière en fait dans le jeu vidéo, puisque tu intègres euh, Supinfo Game, donc une école que, que tu évoquais tout à l'heure, qui est située à Valenciennes, ça. juste après ton bac T'as as intégré l'école juste après ton bac euh, En fait, c'est pas le cas. Euh, après le bac, ouais, ça, je pas... voyais ça sur ton sur ton parcours. Alors c'est pas sur mon CV, mais euh, je tiens pas forcément à, à mettre des écoles dans, dans lesquelles j'ai un peu euh, j'ai un peu échoué <laughs> dans, dans mon CV. Ce que j'ai fait, c'est alors j'ai eu mon bac un petit peu à l'arrache. Euh, C'était une époque où je, je me euh, m'intéressais plus vraiment à l'école et ça me et ça me, dés... enfin, ça me désintéressait totalement, en fait. Mais j'ai quand même eu mon bac S, je sais pas comment, mais je l'ai eu. <laughs> euh... Et ensuite, donc j'ai fait une école d'informatique qui s'appelle Epitech. Ouais, c'est euh... connu, quand même. Ouais, ouais. Et c'est à Paris. Euh, donc, étant, euh, étant banlieusard, aller à Epitech, ça me prenait deux heures et c'était donc deux heures aller et puis deux autres heures retour c'était un peu un peu difficile et je me suis rendu compte que l'informatique c'était pas j'avais déjà le jeu vidéo en tête mais je pensais faire je pensais avoir un diplôme d'informatique et des compétences en informatique pour un peu pouvoir survivre toute ma vie et pouvoir gagner de l'argent mais je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas mon truc en fait ça m'intéressait mais euh, mais là-bas à Epitech c'est vraiment des, des experts en fait ils veulent vraiment former des experts et, euh, et soit tu veux le devenir tu peux pas tu peux pas tu peux pas faire cette école tranquillement disons et, euh, et ça ça a été un certain échec ensuite j'ai fait une autre école qui s'appelle l'ESGI à Paris là plus spécialisée game design et encore une fois ça n'a pas été une expérience incroyable parce que, euh, parce que les cours n'étaient pas, étaient pas géniaux, euh, en tout cas à l'époque. Euh, on nous a direct euh, fait toucher à des logiciels comme 3ds Max, euh, avec lesquels j'ai un, un petit peu du mal. Et du coup, euh, j'étais un peu perdu, et j'ai commencé à travailler euh, dans un magasin de meubles. Euh, je me suis fait virer du, euh, du magasin de meubles assez rapidement, et puis à un moment... Euh, euh, il y a mes parents qui m'ont demandé bah voilà mais <laughs> qu'est-ce que tu vas faire de, de ta vie et puis euh, ma mère m'avait tout m'avait souvent parlé d'une école à... donc à Valenciennes Valenciennes je savais même pas où c'était je pensais que c'était dans le sud et euh... ah oui <laughs> dure désillusion Exactement. moi qui suis nordiste je connais bien Valenciennes il pleut souvent je sais. <laughs> et puis euh, mais on m'avait dit que la, la sélection était euh, était assez rude euh, qui avait euh... Il y avait peut-être entre 10 et 20% des, des gens qui se présentaient là-bas, euh, donc qui, qui étaient pris. Euh, mais du coup, il euh, bon, euh, y avait un dossier à préparer. Euh, j'ai juste, euh, j'ai juste écrit pas mal, de, pas, pas mal de choses, ma vision du, euh, du jeu vidéo à l'époque, euh, du futur du jeu vidéo, quelques travaux que j'avais faits un petit peu à côté. Et du coup, j'ai passé le concours là-bas, j'ai été accepté, je crois que je suis arrivé sixième sur 120 ou un truc comme ça, ça m'a surpris, et, euh... et du coup, j'y ai passé 4 ans. D'accord, c'était euh, pas une raison, enfin, t'avais pas de raison de t'inquiéter finalement, puisque visiblement, t'as réussi avec, euh, avec beaucoup de, de brio, comme on dit. Ben, j'ai eu beaucoup de euh... chance en fait de trouver, de trouver quelque chose qui me plaisait, parce que j'ai vraiment galéré après le bac je savais pas vraiment trop trop, trop quoi faire d'accord bah du coup c'est pour ça que je me suis euh, tout simplement gouré parce que c'est pas forcément un truc que tu as mis en avant sur euh, sur ton parcours donc euh, <laughs> donc my bad comme on dit euh, du coup, moi j'ai une petite question sur, sur Super Info Game parce que bah, je connais des gens qui y sont actuellement et euh, aussi des gens qui potentiellement seraient intéressés euh, par euh, des écoles spécialisées. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a quand même beaucoup d'écoles qui, euh, qui forment des, des game designers, euh, mais pas que, parce qu'il y a toutes sortes de métiers autour du, du jeu vidéo et de la création de jeux. Euh, Est-ce que toi tu, tu gardes une bonne, une, un bon souvenir de ces, de ces années à, à Valenciennes Qu'est-ce que tu as un petit peu euh, retenu de cette, cette expérience-là Est-ce est -ce que ça t'a vraiment appris beaucoup euh, pour, pour aujourd'hui ton, ton métier Alors, à Super Info Game, euh, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué euh, quand on a commencé à, à travailler, c'est qu'en fait, à Super Info Game, on, on commence avec euh, des jeux de société. Euh, on commence avec des jeux de cartes, on commence avec, euh, avec des outils et des jeux et des concepts où euh, la, barrière, la barrière technique est euh, très faible et du coup, euh, du coup, je me suis retrouvé dans un environnement où il euh, y avait juste la création de mécaniques et de systèmes de jeu qui importaient. et, euh, et c'était des, des choses euh, sur lesquelles j'avais pas vraiment, euh, euh, j'avais vraiment jamais rien créé en fait avant euh, avant Super Info Game, j'avais euh, j'avais fait quelques non, j'avais jamais vraiment touché un moteur de jeu en fait et là, commencer avec le jeu de société, commencer avec le jeu de cartes euh, juste quelques idées et ensuite euh, bah tu, euh, tu prends une, une feuille de papier tu, tu la découpes en en petits morceaux tu tu griffonnes dessus et puis euh, et puis ensuite tu peux déjà jouer un, un jeu un prototype d'un jeu en fait c'était quelque chose qui était qui était très très intéressant je me suis mis à, à m'intéresser moins au euh... en fait je me suis j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la, à la création de jeux vidéo et à aimer ça euh, et c'est quelque chose qui me, bah, de coup, du coup, qui me, qui m'a qui me poursuit depuis. Parce que, parce que j'étais un gros joueur avant. Un très gros joueur même. J'ai, j'ai été euh, un gros joueur d'un, MMO qui s'appelait Final Fantasy XI. Et, Ah oui. Euh, tu jouais sur PS2? Euh, c'était sur, j'étais sur PC. D'accord. Et c'était, c'était en, c'était une des raisons pour lesquelles j'ai, j'ai un peu, je me suis un peu ramassé, euh, au lycée et puis euh, et puis après avoir eu le, le bac ça me prenait juste trop de temps et euh, et du coup en fait me m'intéresser à au game design à la création de jeux et pas seulement de jeux vidéo ça m'a ça m'a permis de me, me désintéresser en fait de de ce de ce MMO là pour pour quelque chose de plus intéressant et euh, et, et du coup Super Info Game en fait c'est un peu c'est un peu changé ma perspective sur sur beaucoup beaucoup de choses je me suis je me suis remis à, à aimer euh, apprendre en fait parce que euh, parce qu'un game designer il faut qu'il soit assez ouvert sur le monde sur sur pas mal d'œuvres en fait euh, euh, qui a et du coup euh, du coup je me suis dit bah en fait euh, la lire sur la sur la sur la psychologie sur la philosophie sur euh, énormément de choses sur s'intéresser au cinéma à l'art ou à beaucoup beaucoup d'autres choses en fait, euh, que j'avais un petit peu rejeté, ça m'a permis de, euh, de m'ouvrir en fait, tout simplement à la pratique du, du game design. Parce que le game designer c'est euh, finalement un, un artiste qui doit s'inspirer d'autres arts tout en essayant de mettre en avant euh, les spécificités du, du médium dans lequel il, il exerce. Euh, bon, ça c'est un peu mon, mon, mon a priori. Euh, est-ce que, est-ce que toi, tu as été confronté à ça euh, dans ton parcours, à devoir peut-être t'inspirer je, je pense là directement et j'anticipe pour une question future, parce que comme as bossé sur Mafia 3, qui est un jeu qui est quand même très inspiré euh, de d'autres arts, notamment le cinéma noir, le cinéma de genre, etc. Ouais. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a, qui t'a, comment dire, qui t'a influencé en fait dans ta démarche, de t'inspirer d'autres choses que directement des œuvres de jeux vidéo alors, ce qui était ce qui était intéressant en fait sur Mafia 3, c'est que euh, c'est que notre directeur créatif et puis les euh, et puis les écrivains en fait ont ont euh, on mis euh, ont mis à disposition. En fait, ils ont ils ont ils ont, ils ont partagé leurs inspirations à, à toute l'équipe. Ils ont, ils ont pas mal parlé de, de, de films ou de livres euh, qui les avaient qui les avaient inspirés, ce sur quoi ils allaient un petit peu baser, se baser pour pour créer Mafia 3. Et, euh, et donc je me suis mis à, à, à juste à faire faire l'expérience de ces de ces œuvres là. Euh, maintenant je me souviens plus exactement quelles étaient quelles étaient ces ces œuvres. Je sais juste que je les ai pratiquement toutes vues et euh, et du coup, en fait, on est arrivé. J'étais arrivé avec euh, avec les mêmes les mêmes références que hein, parce que parce que bah déjà c'est des, des Américains donc euh, c'est une culture qui est quand même très 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 très, très différente de la nôtre et, euh, et c'était impor important pour moi de de savoir, euh, de savoir ce qu'ils qu aimaient et, et ce qu'ils voulaient euh, retransmettre. Et alors, une question qui est intéressante vis-à-vis -vis de, de Mafia 3, toi, tu étais plutôt euh, spécialisé dans la création de, de systèmes de jeu. Euh, C'est quoi les relations entre euh, un scénariste, un auteur euh, de scénario, et un game designer qui va vraiment se focaliser sur les systèmes, sur les mécaniques, dans le cadre d'une prod comme, euh, comme Mafia 3 Est-ce que vous travaillez genre séparément, ou est-ce que vous avez une relation qui est... Qui est, très, euh, qui est très proche pendant la, la création du jeu Alors, moi je suis. Donc, ma spécialité, c'est de travailler sur les systèmes de jeu, et surtout les systèmes de jeu autour de, euh, de la narration. D'accord, le... du coup, euh, ça fait le lien entre les deux. Quoi. Ouais, c'est ça. Et, euh... et du coup, surtout sur des. J'ai mis en place des, euh, des systèmes de dialogue, par exemple, et euh, travailler avec les écrivains, c'était. Euh, c'était Ou les scénaristes, je sais pas comment, comment on, les... on traduit le. Le terme en, en anglais, en tout cas c'est writer en anglais. Euh, en fait, travailler avec eux, c'était extrêmement important. Euh, ça, ça, ça a constitué en fait le, le plus, un, une grosse grosse partie de mon boulot, en fait, c'était justement définir euh, les dialogues dont j'avais besoin pour mes systèmes de jeu. Et, euh, et travailler avec eux pour que non seulement les dialogues, ils euh, servent mon système, euh, qui permettent de, bon, par exemple, sur Mafia 3, on a un système de relations, en fait, avec les trois lieutenants. Tous les choix que, que tu fais sur, dans, dans le jeu, ils influent sur, sur la relation que tu as avec Burke, Cassandra et puis Vito. Et du coup, tous les dialogues, en fait, se doivent de, de refléter cette, cette, cette relation-là. Dès le départ, en fait, je suis parti du principe que je voulais pas de jauge c'est quelque chose que tu vois là dans, dans Mass Effect, par exemple, tu joues, tu joues soit, euh, je me souviens plus des termes, mais... soit, euh, je sais plus quand ils ont conciliant, ça. Ou pragmatique ou conciliant, ouais, c'est ça. Ouais. Gentil ou méchant. C'est ça. Euh, et du coup, je voulais, je voulais pas euh, que le joueur se focalise sur, euh, sur une jauge, mais je voulais, je voulais qu'il se focalise sur les dialogues pour savoir euh, quel était l'état de la relation avec, euh, avec un personnage en particulier. Et donc ça, avoir euh, euh, avoir des dialogues qui reflètent en fait ce système de jeu ça a été, euh, ça a été un challenge assez important et du coup j'ai dû, dû énormément travailler avec les écrivains pour, pour faire passer tout ça parce que finalement le, le rôle de l'auteur il s'imbrique dans le, dans le game design pour que ce soit assez, assez fluide au final dans l'expérience dans l'expérience globale et toi ton rôle c'était vraiment de faire le lien entre les deux si je comprends bien après tu peux me couper et... Um, et m'arrêter si je me gourre. Mon rôle, c'était d'abord de, de, crée, de créer un système de jeu qui, qui tienne la route. Uh, donc, à Hangar 13, le motto, c'est uh, Every player story is unique. Uh, donc, le, le, la player story, comme, comme, comme il l'appelle, c'est vraiment l'histoire que tu te fais dans ta, dans ta tête quand tu, uh, quand tu joues à un jeu. Et vu que la, la structure de Mafia 3 est non linéaire, uh, tu peux, uh, tu peux jouer euh, tu peux con aller conquérir les districts un petit peu dans de la manière que tu veux euh, et ensuite il y a des choix à faire par rapport aux euh, au districts que tu vas attribuer à un personnage et, euh, et ces choix là ces choix là vont influencer bah, pas mal de pas mal de systèmes en fait autour de autour de l'économie euh, tous les tous les personnages ont des bonus à te à te donner euh, ils ont de l'argent à te donner et plus tu, plus tu t'investis en fait dans un personnage, plus il va te, il va te récompenser. Et donc mon, mon, ma mission principale ça a été de définir ce système de jeu là. Euh, pourquoi ils t'aiment, pourquoi ils t'aiment pas et comment ils te le disent. Et ensuite euh, ça a été de, de faire en sorte que euh, un, cette relation et puis. Euh, et puis, ces dialogues se fassent d'une manière assez, assez, un petit peu euh, engageante, euh, spectaculaire. On a, on a dans le, dans Mafia 3 des, des séances de, de, alors c'est pas, pas des cutscenes, c'est pas des dialogues interactifs non plus, c'est des, euh, des séquences où tu dois choisir un personnage et ils, te, ils essayent tous de te convaincre que c'est à eux à, que tu dois signer le, le territoire en étant bien spécifique sur la raison pour laquelle ils veulent l'avoir, en étant plus ou moins insistant suivant euh, leur euh, relation avec toi. Et ça c'est des euh, ça c'est des séquences de jeu que j'ai entièrement euh, designées au début, j'ai défini tous les dialogues dont j'avais besoin pour, pour ces séquences de, de jeu, et, euh, et ensuite j'ai travaillé avec les écrivains pour que ça soit le plus, euh, le plus sympa possible à, 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 pour les joueurs. D'accord. Euh, une autre question, justement, sur, sur ton travail à propos de, de Mafia 3. Euh, on le sait aujourd'hui sur des productions qui sont, euh, qui sont aussi médiatisées, qui sont aussi euh, denses en matière de, de, de travail, de, de, de budget aussi. Euh, bah, typiquement les, les AAA contemporains. Quelle est la marge de manœuvre Et là, du coup, je t'emmène sur un sujet peut-être un petit peu polémique, qui va peut-être, euh, voilà, qui va pas forcément être super simple à traiter. Mais euh, quelle marge de manœuvre a un game designer, quelle, quelle liberté créative en fait euh, vous disposez vous en tant que créatif sur un, sur un jeu comme Mafia 3, compte tenu aussi des enjeux euh, économiques derrière, euh, derrière une production comme ça Est-ce que vous avez ressenti des pressions Est-ce qu'il y a eu des, des moments euh, de tension entre par exemple l'équipe créative et, euh, et euh, la hiérarchie on va dire de l'éditeur Comment ça fonctionne une, une, production, une production de ce type alors moi, euh, donc je, suis, euh, je suis game designer, mais je fais partie d'une grosse équipe. Euh, donc voilà, je suis, euh, je suis en fait tout en, tout en bas de, de l'échelle. Au-dessus de, au de moi, il y a un lead euh, designer. Euh, au-dessus de lui, il y a un design director. Et puis au-dessus de lui, il y a un directeur créatif. Euh, mais le truc sur Mafia 3, c'est que... Alors, en fait, ça a été euh, mes missions. On m'a dit, m'a dit clairement, bah ben voilà, on a besoin d'un système qui gère la relation avec, avec les trois personnages. Et puis ensuite, j'ai été to totalement libre, en fait, de faire, de designer quelque chose qui est, que je trouvais de, de qualité. On a commencé à faire des petits prototypes sur Twine, qui est, qui est un outil qui est largement utilisé par les indés, qui est, ouais, qui est, qui est qui est un outil euh, basé sur du texte euh, donc très très simple à, à utiliser ensuite euh, ma relation en fait avec les euh, avec les les leads et puis les, les directeurs euh, c'est c'est vraiment une relation constructive en fait de euh, bah voilà ça ça a été ma mission donc à chaque fois ils viennent avec un, un pitch des euh, ton, ton système il doit il doit faire ça c'est un système de relation Uh, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que tu peux est-ce que tu peux arriver avec un avec un design déjà papier. Donc uh, donc c'est un design papier qu'ensuite je, je présente à l'équipe, à mon lead ou à mon directeur. Uh, ça c'est généralement des uh, des uh, des designs papier qui sont qui sont au level en fait et qui sont là pour valider uh, uh, ce que j'ai envie de faire et là où uh, là où je veux aller. Euh, ensuite euh, donc il y a un prototype le prototype il doit démontrer ce, ce design là euh, on fait euh, ensuite on fait des ajustements par rapport à ce prototype est-ce que le design est bon comment est-ce qu'on peut l'améliorer quels sont les problèmes et puis euh, et puis au bout d'un moment quand on est plutôt content du, du prototype on va pour euh, pour implémenter ça in game ensuite il y a des il euh, y a des ajustements encore à faire parce que du prototype au euh, à la version qu'on a, qu a diffusée dans le jeu, dans le vrai jeu, il y a des choses qui changent et il y a des leçons qu'on qu apprend et puis on fait ces, ces ajustements là et puis après on sort le jeu. Et là j'ai résumé ça de manière, de manière un, petit peu, un petit peu simple, un petit peu idéal, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Moi je n'interagis pas du tout en fait avec le, avec le publishing par exemple, avec l'éditeur. Ah, je sais que je sais que notre directeur créatif euh, a, euh, a de bonnes relations avec le avec l'éditeur, et je sais qu'il interagit pas mal avec, euh, avec eux, mais mais je sais, il nous a, il nous a aussi dit qu'on a en fait via cette bonne relation euh, cette relation de confiance, en fait Touquet euh, nous a un peu laissé mettre de, de toutes les décisions de design euh, qu'on qu avait à faire. Et moi je me suis occupé d'un système de jeu qui était euh, qui était super intéressant et aussi central en fait dans l'expérience de jeu, à faire des choix et qu'ils influent sur euh, sur la structure de jeu, c'est quand même assez euh, assez central mais j'ai été très très libre euh, parce que j'ai défendu mes idées et parce que j'ai il euh, y avait un prototype pour pour démontrer euh, ce que je voulais faire aussi. Je pense que si euh, si, si j'avais juste parlé et puis écrit des, des documents, mais que dans le jeu c'était catastrophique, ça se serait moins bien passé. Mais, mais là, ça s'est vraiment vraiment très bien passé de ce côté-là. En fait, je posais la question parce que <coughs> il y a une discussion qui est, qui est sortie il y a pas longtemps euh, sur le, le côté extrêmement, euh, parfois, violent de Mafia 3, qui pour certains était incohérent avec le, le personnage. Et en fait, dans les discussions qui ont émergé sur Internet, sur les forums, notamment Reddit, etc., il y a eu comme ça une espèce de, de peut-être de paranoïa, ou au moins d'accusation de, 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 un peu rapide de, 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 de l'éditeur, en fait, qui aurait été responsable de l'introduction euh, obligatoire de séquences de, de, de violences un peu intenses, notamment les, les exécutions, etc. Et du coup, en fait, je me posais la question, parce que c'est vrai que c'est un truc qui a, qui a fait pas mal débat autour du jeu. Et pour poursuivre un peu là-dessus, euh, la question que je me pose, en fait, c'est Mafia 3, en tant, que, en tant que jeu sorti en octobre, a été assez mal reçu globalement par la presse spécialisée. Ouais. Et je, je me demandais, en tant, que, bah, en tant que créatif sur le jeu, comment, comment vous avez reçu en fait, ces critiques, notamment de la presse, adressées à Mafia 3 au moment de sa sortie est-ce que est c'était que quelque chose auquel vous vous attendiez ou pas du tout Est-ce que ça vous a gêné enfin, co Comment vous l'avez pris, en fait, tout simplement Alors, ça a été. Euh, bon, ça a été très décevant, euh, en fait, dans, dans l'équipe, mais ça, c'est quelque chose qui est. Bon, on ne sort pas un jeu en, en, en espérant qu'il soit, qu soit moyen. Et, euh, et dans l'équipe, dans en fait, ça ça s'était pas trop mal passé. On est sorti avec un. Avec un, un, un jeu avec lequel on était plutôt fier, euh, en fait, euh, et je le suis, je le suis toujours. Euh, donc, ça a été ça, la réception a été un petit peu difficile, mais je pense qu'il faut il faut savoir faire preuve d'humilité, en fait, et d'accepter que euh, que les notes étaient pas bonnes et que euh, ben voilà, c'est le premier jeu que ce, ce studio là a sorti. Il euh, y a eu pas mal de, il y, a, y a toujours beaucoup de raisons en fait qui explique. qui expliquent le fait qu'un jeu sorte sans vraiment atteindre son potentiel et ça c'est quelque chose que qui est un petit peu que je trouve un petit peu dommage c'est juste que ça aurait pu il y avait les bases pour faire pour faire un jeu qui était vraiment qui était vraiment extraordinaire ensuite il est pas il est pas mauvais voilà. non non il n'y a, il y a pas eu de, a... non plus de critiques terribles hein, mais un peu mitigé tu vois dans dans l'ensemble et euh, et du coup bah il y a les critiques étaient, plus, étaient assez, euh, assez focalisées sur, euh, sur certains points, et euh, bon, l'aspect la, technique, la répétitivité du jeu, euh, des soucis d'IA aussi. Euh, euh, mais ça, bon bah voilà, c'est les, les journalistes qui, euh, qui, euh, qui, qui les ont relevés, euh, mais les joueurs aussi. Donc euh, quand c'est global, il faut juste, euh, il faut juste savoir, euh, ouais, savoir faire preuve d'humilité, accepter ces critiques-là. Il y, y a des gens qui ont aussi... Euh, qui m'ont aussi adoré le jeu et ça c'est euh, quelque chose qu'il faut qu'il faut savoir euh, entendre aussi faut savoir entendre les entendre les critiques et puis euh, et puis les, les forces du jeu moi j'ai eu euh, j'ai eu un petit, peu de, un petit peu de chance par rapport à tout ça parce que mes, mes systèmes de jeu et ce, euh, ce sur quoi j'ai travaillé directement ça a été ça a été bien reçu donc euh, donc euh, donc ça, ça m'a rendu un petit peu, un petit peu fier. <laughs> mais, mais je suis game designer sur, sur Mafia 3, donc, euh, donc même si je, même si je travaille sur des sujets qui sont très focalisés, euh, je pars du principe que la responsabilité de, 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 mon rôle en tant que game designer, elle est, elle est globale, en fait. Même si je travaille pas sur le gameplay, même si je travaille pas sur, sur, sur l'IA ou sur les missions. Ou le monde du jeu, j'ai quand même, euh, quand même une, euh, un droit de regard et un droit de, de feedback euh, par rapport à tout ce qui se, tout ce qui se crée. Mais euh... ouais. Faut pas oublier la, la subjectivité que tu mentionnais. Des, des gens peuvent très bien apprécier malgré, malgré certains, certains défauts qui peuvent être rédhibitoires pour d'autres. Et du coup, bah, ça me permet de, de faire une transition toute trouvée, magnifique, pour notre troisième partie d'émission. Euh, J'en profiterai pour mettre un petit jingle dans le podcast, donc jingle. Bien, bah du coup, euh, ma question suivante concerne le lien entre les créatifs et la presse, qui n'est pas forcément toujours évident. Euh, en tant que game designer, toi, que penses-tu du traitement des formes d'expression ludique C'est quoi cette question que j'ai écrite J'ai l'impression d'écrire un script d'une vidéo, n'importe quoi. Non, plus simplement, euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du fonctionnement de la presse spécialisée en tant que, en tant que créateur Et euh, est-ce que pour toi, il y a des aspects qui, euh, qui mériteraient d'être un peu plus traités, d'être approfondis, ou au contraire, des initiatives que tu trouves parfaitement louables et qu'il faudrait mettre en avant dans la presse alors la presse spécialisée euh, en France et puis euh, et puis un petit peu un petit peu partout c'est un petit bah, je sais que c'est euh, c'est un petit peu dur c'est des temps un petit peu durs en fait en termes de juste en termes de en termes de sous il euh, y, y a pas mal de problématiques qui se qui qui viennent entre euh, entre de bonnes de bons articles de bonnes news de bons tests euh, et puis euh, juste pouvoir vivre en tant que journaliste de, de jeux vidéo alors moi, euh, j'ai tendance à... Alors est-ce que je lis beaucoup la presse spécialisée Ouais. Euh, C'est surtout pour les news. Euh, juste j'aime me tenir informé des, des sorties et puis des... Euh, et puis des... Euh, et puis des news générales en fait qu'on qu peut trouver un petit peu partout. Les tests, j'ai tendance à pas les lire, euh, juste parce que je suis très protecteur de mon expérience de jeu et qu'en fait même même que quelqu'un me parle de, de ce qu'il a vu dans un jeu ça peut me ça peut me spoil à mon expérience je suis hyper hyper drastique par rapport à ça mais je veux juste savoir sur un test en fait je veux juste savoir s'il faut que j'y joue ou pas et, et à part ça j'aime beaucoup lire aussi sur l'industrie en général ça c'est quelque chose que, que Game Cult fait fait de manière très très sympa en ce moment et, euh, et ça c'est plutôt plutôt cool. C est, c est, ce qui est bizarre en fait sur la presse vidéoludique, c'est parfois ils ont tendance à, à vouloir se diversifier, à parler de à parler de tech ou à parler de manga ou à parler d'autres choses en fait. Et c'est là où j'ai l'impression qu'à chaque fois que que euh, que ces médias se perdent un petit peu alors que euh, juste essayer de parler de jeux vidéo de manière de manière intelligente c'est compliqué et je sais pas si ça vend beaucoup, mais en tout cas, en tout cas ça m'intéresse. Je pense que les, les, les deux éléments sont à mettre en, en perspective c'est-à-dire que tu as effectivement un problème de, de financement, et de l'autre, quand tu as un modèle économique qui est basé sur, sur l'audience ou, ou la pub, tu es parfois presque contraint de. De diversifier au risque de faire du, du contenu qui n'est pas, pas toujours euh, extrêmement intéressant, mais qui va parfois susciter euh, du clic et donc, euh, donc ramener un peu d'argent. C'est ouais. toujours délicat de, de se positionner, euh, notamment quand tu es un média web euh, type euh, spécialisé, bah c'est toujours des, des arbitrages à, à faire et c'est vraiment pas, pas évident. Euh, je ne suis pas journaliste, mais pour avoir travaillé un peu, un peu chez, chez GameCult et m'intéresser pas mal au, au financement de la presse en général et, et en particulier de la presse jeux vidéo, euh, c'est vraiment, vraiment une question qui, qui se pose encore plus en 2017 qu'il y a 10 ans. Euh, et du coup, euh, du coup c'est pas, pas toujours évident d'y répondre. Il y a plusieurs alternatives. Mais, mais là, on dérive un peu, un peu du sujet. Euh, pour finir un peu notre, notre discussion et, et changer un peu aussi de, de sujet. Euh, des questions un peu plus globales en fait sur toi, ton, ton avenir aussi de, de game designer et ta, ta position vis-à-vis -vis de l'industrie en général. Euh, Aujourd'hui, le jeu vidéo est un peu, euh, un peu en train d'évoluer depuis quelques années. Euh, on sait avec l'indépendance qui est, qui est devenue, euh, qui est devenue euh, omniprésente dans la presse, dans les traitements médiatiques, euh, le dématérialisé. il y a énormément d'évolution de la manière à la fois de créer et de consommer le, le jeu vidéo. Euh, Qu'est-ce qui pour toi est le grand défi euh, auquel sont confrontés les créateurs de, de jeux vidéo euh, en 2017 Grosse question euh, très ouverte et volontairement un peu large pour que tu puisses t'exprimer euh, comme tu l'entends. Alors c'est euh, bon, une question intéressante qui est du coup, ouais, comme tu as dit, très globale. Euh, ce qui est un truc que, euh, que, que j'ai observé euh, quand je suis sorti de l'école, en fait, ouais. la mode c'était de parler des jeux sociaux des jeux Facebook, des jeux, euh, euh, c'était même pas encore sur mobile. Ensuite, il y a eu le boom des jeux mobiles. Maintenant, c'est euh, maintenant c'est euh, le challenge, c'est euh, enfin la mode. Elle est plus sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée. Et, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a énormément de ouais de modes en fait qui se qui se créent de qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui l'avenir du jeu vidéo, qu'est-ce que c'est que, que tout ça. Et euh, bah moi, j'ai tendance à à être un petit peu euh, un petit peu conservateur en fait sur tous ces modes de diffusion du jeu vidéo euh, parce que si en fait si des plateformes apportent pas une plus value en termes de gameplay en termes de système de jeu et en termes d'expérience de jeu euh, directement euh, c'est difficile d'envisager euh, d'envisager le, le game design comme euh, comme autre chose que euh, que ouais justement une une nouvelle mode et je pense que le vrai challenge en fait aujourd'hui, il est le même que euh, que l'année dernière, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, et que il y a encore euh, bien plus longtemps encore. C'est juste de comment est-ce qu'on on va arriver à, à faire un jeu qui soit nouveau, qui euh, qui fasse ressentir des émotions intéressantes euh, aux joueurs, et comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie actuelle euh, pour pour faire passer tout ça. Dans la création de jeux vidéo à gros budget, on sait quand même que l'année dernière a été un petit peu difficile sur le plan commercial, euh, surtout la fin d'année où il y a eu énormément de sorties. Ouais. Euh, on, on a même parlé de, de, de triple apocalypse, genre, on aime bien trouver des, des petits noms comme ça, un petit peu choc, un, un petit peu buzz dans, dans la presse. <rire> <rire> non mais c'est vrai, on a parlé de triple apocalypse, ça m'a beaucoup fait rire. Mais, mais du coup, le, le jeu vidéo AAA, euh, compte tenu aussi des coûts de production qui, qui sont de plus en plus importants, des temps de développement qui sont également euh, de plus en plus longs, quelle est la place pour toi de ce genre de jeu euh, dont Mafia 3 fait, fait partie euh, dans les années à venir Est-ce qu'il y a des, des changements qui vont, qui vont arriver Est-ce qu'il y a des mutations euh, que ce genre de jeu sera, seront amenés à, à, à subir euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de l'avenir du, du AAA toi, en tant que bah, du coup créatif sur sur ce genre de jeu. Alors tu parles de triple apocalypse, euh, non parce que l'année dernière c'était l'indie apocalypse. Ouais 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 euh, c'est vrai, vrai coup, en 2015, ça... mais ça change tous les ans, il y a toujours une apocalypse. <laughs> ouais. C'est euh, la fin du monde. Bon c'est euh, en fait quand tu quand tu regardes le le jeu indé et ce qui euh, ce qui se fait en fait euh, les nouveaux modes de diffusion. Euh, c'est quand même euh, en termes en terme de gameplay en termes de game design en termes de système de jeu il y a énormément de choses qui, euh, qui sont extrêmement in intéressantes qui, euh, qui sortent hein, et qui sortent à, à vraiment euh, euh, très grosse cadence en fait et, euh, et pour le triple A pour le triple A en fait, c'est c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, ça permet de prendre du recul en fait sur sur ce qu'est un triple A Qu'est-ce que ça veut dire en termes de euh, en termes de gameplay, en termes de système de jeu Et en gros, quelle euh, quelle plus-value en fait peut apporter le AAA sur le euh, dans le domaine du, du jeu vidéo par rapport à euh, à des jeux indépendants Alors, on sait que un triple c'est fait avec plus d'argent, euh, mais cet argent il est utilisé comment moi, c'est surtout ça ma, 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 gros, ma grosse question sur, sur, sur les triple A, en fait. Parce que, parce que, vu, que vu que les game design euh, des indés sont souvent hyper intéressants, y, parfois un peu expérimentaux, et du coup, euh, je sais pas s'ils trouvent toujours leur marché. Mais moi, ça m'a combien combien un jeu se vend ça me désintéresse un, un peu en fait je m'en fous <laughs> ouais euh... oui, non mais bien sûr c'est juste que sur le plan euh, de' la, de la viabilité tu vois de, de certains de certains titres ouais ça, ça pose des questions euh, pragmatiques mais malheureusement euh, nécessaires, en fait mais du coup euh, ouais quelle, quelle plus- value en fait tu peux tu peux apporter en tant que en tant que triple a par rapport à, à un jeu indé qui euh, qui ferait le, le même concept alors il y a plusieurs euh, il y a plusieurs pistes en fait la première piste ça peut être euh, ça peut être des, des systèmes d'animation qui sont euh, qui sont cool par exemple quand je vois quand je vois ce que fait fifa en fait euh, sur les mécaniques de jeu sur la manière de de se déplacer sur un terrain sur euh, euh, sur l'intelligence artificielle sur sur énormément de choses en fait ça cette cette profondeur c'est ce, cet argent il est utilisé pour euh, pour vraiment apporter de la profondeur de jeu pour apporter de, de l'immersion et du réalisme et, euh, et une expérience de jeu qui, qui soit vraiment différente d'un jeu indépendant. Ensuite, euh, bon ça, ça ça rejoint un petit peu un petit peu ce que le travail que je fais, mais, euh, mais le fait d'avoir des acteurs professionnels qui jouent sur, euh, sur un jeu vidéo, le fait de pouvoir euh, euh, manipuler des dialogues et faire des systèmes de jeu autour de ça, autour de euh, autour de, euh, bah moi, par exemple, sur, sur Mafia, euh, j'ai eu carte libre, en fait, sur le nombre d'assets de dialogue que, que, je pouvais utiliser. Donc, on avait des, euh, on avait des acteurs professionnels qui jouaient tous, tous les personnages du, du jeu, et j'ai vraiment eu carte, carte blanche pour, euh, pour vraiment créer des, des, systèmes de jeu qui soient, euh, qui soient intéressants et qui soient profonds. Et ça, ce genre de budget, euh, entre guillemets illimité ça existe que sur le AAA. et c'est pour ça que euh, je pense que ça à l'avenir les AAA doivent doivent vraiment se questionner sur euh, sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de game design en termes de gameplay euh. un Dark Souls par exemple euh, bon on peut euh, on peut faire une abstraction de ce qu'est le, le gameplay de de Dark Souls mais mais euh, mais l'expérience de, de jeu en termes de euh, en termes de monde aussi, euh, enfin ouais quand, alors j'ai pas joué à Dark Souls 3 mais euh, j'ai joué à Bloodborne et en termes de bien. et en de, de direction artistique, en termes de world design, en termes de mécanique, en termes d'animation, en termes de euh, d'ennemi design, en fait tout est là pour euh, pour juste te, te donner une expérience qui est qui est tu tu pourrais pas créer ce jeu là euh, en 2D en vue de dessus parce que tu as, as une vraie notion d'espace de, en fait. Et ça, c'est ah oui, qui... une expérience différente. Tu as des ouais. Dark Souls-like euh, en 2D et, et c'est finalement une expérience qui est euh, sur certaines bases sensiblement la même, mais au final, quand tu prends le truc globalement, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir du tout. Et c'est intéressant. Pour avoir fait des, des, des Dark Souls en 2D, euh, j'ai joué à quoi là, il y a, il y a quelques mois bah j'ai plus le nom en tête, un truc un peu gris. Euh... Salt and Sanctuary? Exactement, j'avais plus le nom, le nom en tête. Mais c'est ça, oui, j'ai fait, euh, j fait quelques heures de Salt and Sanctuary. Et ouais. C'est quand même, c'est quand même pas du tout le, le même rapport à l'espace que dans un, que dans un Dark Souls. Quoi. Et euh, ça me fait penser un petit peu à, à Jonathan Blow, en fait, après euh, après Braid et puis euh, et puis pendant tout le développement de Braid, il, il expliquait en fait que que jamais euh, jamais il, il développerait un jeu en 3D parce que c'est euh, parce que c'est juste une manière une une manière complètement différente de créer euh, de créer un jeu et pourtant the witness <laughs> et, exactement et euh, je pense qu'il a eu bah bah il a eu un budget un peu plus un peu plus conséquent et euh, et via ce via ce budget plus euh, plus important en fait il a pu il a pu explorer cette cette notion de d'espace cette notion de d'exploration d'un d'un monde en, en 3D et euh, et moi j'ai j'ai tendance à, à, à préférer en fait des euh, des euh, des jeux qui sont focalisés sur sur des choses plutôt euh, plutôt simples quand on, quand on voit un euh, Outzer qui est sorti sur euh, sur mobile euh, et puis maintenant sur 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 PC aussi euh, voilà c'est t'es perdu dans l'espace avec quelques ressources et il faut que tu arrives à, à survivre et puis à une, déne, une destination qui te permettra d'avancer dans dans l'histoire et c'est quelque chose qui est c'est c'est simple en termes de en termes de mécanique de jeu il y a pas de il y a pas d'exploration mais est, on est vraiment sur la sur la survie sur les systèmes de jeu et ça c'est quelque chose que les les jeux en 2D savent très très bien euh, savent mieux apporter en fait que Qu'un qu jeu en 3D. Parce que, parce que en fait, alors, en 3D, t'es pratiquement obligé d'explorer de, de, cette, cette notion d'espace, de, en fait. Ton rapport au monde, ton rapport au, au personnage que t'es en train de, de contrôler, ou, euh, ou à ta propre subjectivité quand t'es sur, un, quand es sur un, un jeu en première personne. Et du coup, euh, mais à chaque fois que tu envisages un, un espace, euh, c'est ça rend la chose beaucoup plus complexe en fait il te faut un monde qui soit rendu en manière 3D et du coup euh, euh, si le rendu il est pas tip top ça te sort complètement de, de l'expérience il y a énormément de problématiques en fait autour de autour de faire un jeu en 3D euh, et, euh, et je pense que c'est quelque chose de bah, c'est difficile en fait de pour les triple A euh, je pense, je pense pas que l'avenir des triple A en fait soit soit sur le jeu en, en 2D, mais en tout cas, il y a peut-être besoin d'un vrai questionnement en fait sur pourquoi est-ce qu'on est passé à la 3D euh, au début euh, et quel intérêt ça a en fait. Et euh, <laughs> je suis parti un petit peu en, en vrille, mais c'est quelque chose que, que j'aimerais voir euh, euh, traité. Il y a des triple A qui sont encore, enfin, euh, je sais pas si on peut dire des triple des A, mais en fait un Nintendo qui est encore sur sur une, une forme d'hommage parfois et vraiment sur de la sur de l'innovation dans d'autres jeux sur de la 2D mais c'est vrai que oui le, le le principe de 3D maintenant il est, il est... Pas vraiment questionnable sur les jeux à gros budget parce que tu as quand même le côté le côté graphisme le côté technique qui doit qui doit remettre plein la vue et, et cette course à la technologie finalement qui engrange derrière de plus en plus de, de personnes parce que ça coûte cher faut, faut prendre beaucoup de gens pour travailler dessus ça prend plus de temps etc euh, est ce qu'on n'arriverait pas aussi à une impasse créative parfois c'est intéressant ce que tu dis parce que l'idée de la plus-value du triple a euh, elle se pose, à mon sens, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. Oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est cool d'avoir des jeux, justement, comme, comme, comme Dark Souls, ou, euh, ou plus récemment, je ne sais pas, euh, quels quel jeux AAA m'ont vraiment marqué en. En 2016, bah, Dark Souls 3, <laughs> tiens. Euh, <laughs> non, mais il y a Doom aussi, tu vois, ce genre de truc qui euh, ouais. reprennent des... Parce qu'en fait, quand tu réfléchis bien, Doom, c'était pas de la vraie 3D. Et là, le fait d'avoir un vrai jeu 3D avec une notion de visée, tout en gardant un petit peu la philosophie euh, frénétique du, du premier Doom, du premier Doom euh, qui date d'il y a plus de 20 ans, et, et tu vois, de moderniser ça, mais tout en proposant quelque chose de nouveau avec les contraintes modernes, euh, pour le coup, il y a une vraie plus-value et pas simplement une... Euh, une redite de, de ce qui existait à l'époque. Donc euh, c'est donc vraiment sur cette idée de, de plus-value que, que le AAA doit, à mon sens, s'axer s'il veut continuer à, à, à subsister. Après le problème, c'est encore une fois le côté, euh, le côté commercial euh, de, de la chose, euh, qui sur un, sur un plan euh, pragmatique est délicat, parce que tu vois, 2016, euh, tu as aussi pas mal de jeux qui étaient extraordinaires, qui se sont viandés commercialement. Euh, Dishonored 2 typiquement est, est fabuleux mais euh, derrière il euh, n'a pas, euh, pas été accueilli par, euh, par les joueurs euh, à la hauteur de, de sa qualité. Euh, du coup c'est voilà, toujours délicat de, de voir euh, comment tu peux concilier des intérêts économiques et en même temps euh, de la créativité euh, de, de personnes. C'est euh, un peu la grande question du triple A mais je dis vague euh, puisqu'on parlait justement... Encore une fois, transition toute trouvée, euh, de triple A et de jeux indépendants. Toi, ouais. personnellement, euh, Rémi Boichereau, est-ce que tu aurais, par hasard, euh, comme ça, des envies parfois d'indépendance Est-ce que tu voudrais pas euh, créer ton propre studio et, et mener un peu la vie, euh, vie d'artiste <laughs> Question volontairement. Euh, Alors, c'est un, un petit rêve, forcément, parce que, euh, parce que voilà, euh, bon, Mafia 3, c'est un, un gros jeu, mais j'ai fait, fait partie d'une équipe. Et donc. Euh, euh, la vision la vi la vision créative de, de Mafia 3 c'est euh, c'est je l'ai pas eu dans sa dans sa globalité je l'ai sur mes mes petits systèmes de jeu mes petits systèmes de de dialogue mais euh, mais voilà ça ça reste assez euh, assez restreint euh, ouais bien sûr j'ai 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 envie de en fait c'est c'est pas forcément un un, un fantasme euh, c'est plus euh, bon j'aimerais bien créer euh, créer un jeu euh, que que j'ai designé du du début jusqu'à la fin alors je l'ai fait je l'ai fait à l'école en fait c'est c'est quelque chose qui est qui est plutôt euh, qui est plutôt plutôt cool juste le, le fait de travailler dans un dans un gros studio c'est euh, une expérience qui est complètement complètement différente alors le moi avoir diffusé un, un jeu aussi aussi énorme ça me permet de euh, Bon, c'est des petits moments de plaisir en fait de, de regarder des vidéos de, sur YouTube de, de mecs qui se... Uh, qui, uh, qui jouent uh, et qui, uh, qui font part de leur expérience uh, uh, sur ça, sur Twitch aussi. Uh. Bon, juste me connecter sur Twitch et puis uh, regarder des, des gens jouer, uh, jouer à Mafia, c'est quand même super super cool. Maintenant, uh, moi à côté je, je développe un petit peu. Alors je développe pas, je... Bah, je crée des jeux, il y a pas mal de choses que j'aimerais euh, bien faire. Ce qui se passe, c'est que dans un gros studio euh, comme ça, en fait les compétences que, euh, que tu développes, elles sont très focalisées. Euh, moi, bah, voilà, je me suis spécialisé sur, euh, sur des systèmes de, de dialogue et puis des systèmes de de jeu, mais, euh, mais je m'intéresse un petit peu à tout. Je m'intéresse au gameplay, à, 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 à l'intelligence artificielle, à pas mal de... Euh, à pas mal d'autres choses et c'est pour ça que en fait j'ai vraiment besoin de, de me diversifier j'ai quelques projets en fait euh, qui sont alors j'ai toujours j'ai toujours euh, pratiquement fait des jeux qui étaient à euh, grosse euh, composante narrative et du coup un de mes objectifs en fait euh, à côté du boulot c'était de créer un jeu qui soit basé que sur du gameplay mais vraiment que ça quoi et, euh, et ça c'est super euh, c'est super intéressant à faire. Ensuite, il y, y a le jeu vidéo mais euh, mais il y a pas mal d'autres formes de, de game design qui sont euh, qui sont super intéressantes aussi. Ouais, carrément. Euh, tu, tu fais un peu de jeux de société, de jeux de cartes Ouais, bah euh, un petit peu moins en ce moment mais euh, mais j'ai plutôt des j'ai plus des envies. Bon, là, j'ai sorti Mafia 3 et c'était c'était la sortie était un petit peu difficile donc j'ai pas euh... J'ai pas fait grand chose euh, cette année, mais bah là, il y a quelques jours, j'ai fait mon premier euh, escape game. C'était ah, cool. à Paris et ça, c'était, euh, c'était vraiment une expérience super sympa et, euh, et ça m'a vraiment donné envie de de euh, de faire la mienne en fait. Et ça, c'est le genre de choses que tu peux prototyper euh, extrêmement facilement en fait. Il faut juste avoir une une bonne vision de ce que c'est qu'un un puzzle intéressant, euh, bah tu, tu réunis quelques quelques personnes que tu connais dans une dans une salle chez toi et puis tu les fais c'est quand même c'est quand même fou qu'une chasse au trésor intéresse intéresse les gens maintenant enfin c'est ça c'est vraiment cool quoi et du coup en termes de en termes de projet j'ai aussi un projet de de bande dessinée euh, parce que un jeu vidéo en fait c'est très très long c'est très très long à faire euh, moi ça m'a mis euh, bah m... je suis sorti de l'école ça fait maintenant 5 ans ou presque et j'ai sorti un jeu commercial donc ça a été très très long et j... et j'aimerais euh, j'aimerais avoir en fait un rapport un peu plus un peu plus direct à la création et avec euh, et avec un public euh, donc qui soit qui soit juste déjà plus rapide et puis euh, et puis plus euh, euh, et puis différent en fait de, de ce que je fais. Mais l'idée de créer une bande dessinée, c'est euh, toi qui la concevrais de, de A à Z ou euh, tu bosserais avec quelqu'un Alors je ne suis pas dessinateur du tout, euh, donc euh, je, bosse, euh, je bosse en ce moment avec, euh, avec une, une graphiste, une dessinatrice. Et, euh... mais ouais, c'est quelque chose que, c'est quelque chose que j'aimerais, que j'aimerais explorer. En fait, il y a énormément de choses que j'aimerais faire. <laughs> maintenant. maintenant euh... Si les, du... si les journées duraient 72 heures, euh, si seulement. C'est ça. En plus. <laughs> ça, serait... Vu... ça serait génial. Vu que je dors 12 heures par jour, c'est, c'est, en plus, ça restreint, ça restreint les journées euh... ah. à assez peu. <laughs> on a affaire à un gros dormeur euh, qui a Et... Et besoin oui. d'énergie. Mais du coup, quand on dort bien, on est plus efficace. Tu vois, ça compense. Je Exactement. me suis rendu compte de ça. J'ai eu trop tendance personnellement à, à me dire, bah du coup c'est con si je dors, j'ai moins de temps, mais au final t'es plus efficace quand t'es en forme. C'est ça. Donc, une petite astuce, petit conseil à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui repoussent l'heure du sommeil pour faire des choses. Dormez, vous serez plus efficace en, en forme. Et oui. Euh, grosse digression, mais mais du coup on arrive à, à notre dernière question, mon cher Rémi... Question encore une fois extrêmement large, mais euh, bon, après c'est la petite question qui ponctue la, la conclusion de chaque épisode de Game Dev Talk. Comment est-ce que tu envisages l'avenir du jeu vidéo dans nos sociétés On a parlé de réalité virtuelle, on a parlé de triple A, on a parlé d'indépendance. Mais toi personnellement, qu'est-ce qui te tient à cœur qu Qu'est-ce qu que tu vois euh, dans 10 ans comme étant le, le symbole du jeu vidéo Quelle est la place pour toi du jeu vidéo dans les années à venir um... Déjà ce que, je, ce que je trouve intéressant, ce qui va, ce qui va arriver en fait au 21e siècle, c'est que les joueurs de jeux vidéo en général vont vieillir et que petit à petit en fait euh, le jeu vidéo aura une place globale et ça euh, ça on voit un peu euh, on, on l'a vu se démocratiser euh, énormément et ça c'est quelque chose qui est, euh, qui est fondamentalement euh, bon mais euh, ensuite ce qui va se passer dans dans dix ans, honnêtement, je j'en sais absolument rien vu que ça change tellement vite. Ça change, mais vraiment tellement vite le jeu vidéo, le tant l'industrie que l'offre. Comment est-ce que les jeux vidéo sont euh, sont diffusés euh, Moi, je pense que dans dix dans ans, les problématiques euh, seront les mêmes qu'aujourd'hui. En fait, c'est comment est-ce qu'on va créer des 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 expériences qui seront euh, qui seront euh, qui seront intéressantes et qui, qui résonneront, en fait, chez les, chez les gens. Parce que, euh, parce que quelque part, tu vois assez, euh, c'est assez intéressant de voir comment la télé, aujourd'hui, est en train de mourir. Uh, c'est tout simplement parce que la qualité, en fait, elle est en train de, elle est en train de, de, de s'enfuir, en fait. Uh, yeah. ouais, c'est très très difficile de, de trouver du contenu intéressant à la télé. Tant, euh, tant en termes de contenu lui-même, euh, mais aussi de, de la manière dont, la, dont, dont on envisage en fait ce, ce média, parce que euh, parce que déjà ça prend énormément de temps en fait déjà de, de changer de chaîne, de trouver quelque chose d'intéressant et en plus tu te manges des pubs qui n'ont absolument aucun intérêt et qui sont même en plus dommageables, hein, qui te ruinent le cerveau à chaque fois que tu les vois. Et du coup, euh, c'est forcément en fait, les, les gens se, se rabattent sur des euh, sur des médias qui sont juste plus intéressants en fait. Le fait de de pouvoir t'abonner à des chaînes YouTube euh, et pouvoir accéder à ce contenu là euh, quand tu veux, c'est euh, c'est euh, c'est bien plus important, bien plus intéressant qu'un qu'un média type euh, type télé. Alors ensuite, quand tu regardes ce que les journaux apportent, c'est euh, c'est différent quand la, quand, la presse, euh, quand la presse te, te donne une, une expérience qui est délivrée, en fait. Voilà, il y a des articles, tu les acceptes, euh, et, euh, et tu... Euh, alors, je sais plus ce que je suis en train de dire, mais... En bref, ce qu'il faut pour le jeu vidéo, c'est vraiment de se questionner, en fait, sur, sur juste la, la plus-value que tu, tu peux apporter en termes d'expérience de... En terme de jeux tout simplement alors il y a tellement de jeux il y a tellement de types de jeux il y a tellement de d'expériences qui sont intéressantes c'est euh, c'est difficile en fait d'envisager que le jeu vidéo va mourir euh, parce que euh, parce que les jeux qu'on voit sortir chaque année sont enfin il y en a tellement qui sont absolument incroyables euh, que je pense que ça va pas ça va pas se ça va pas euh, se ralentir d'ici peu et euh, ce, que je, ce sur lequel je suis le plus curieux, c'est comment est-ce que le, le jeu vidéo, mais aussi euh, le jeu, et l'interaction en général, va, va apporter à notre société euh, plus tard C'est une je question que j'ai, mais j'ai pas de, vraiment de, de réponse, en fait. Bah oui, c'est un peu de la divination, mais c'est tout l'intérêt de, de l'exercice. Et, et j'ai toujours l'habitude de dire qu'à qu enfin, qu titre personnel, et, et je pense que ça se généralise à pas mal de personnes, euh, notre époque et euh, l'époque qui vient est la, la, la plus formidable en fait, pour, pour découvrir le, le jeu vidéo dans toute ouais. cette diversité, dans toutes les expériences qu'aujourd'hui on, on peut avoir avec l'indépendance, les euh, la, 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 triple A, la démocratisation aussi du, du médium. C'est quand même des choses qui sont extrêmement stimulantes. Et euh, en tout cas, je, je pense que ton métier a de l'avenir. En tout cas, c'est vraiment ma conviction profonde. Donc, bah, bah écoute, merci. <laughs> bah oui, <laughs> je me doute. <laughs> non, mais je, je, je le dis avec vraiment beaucoup de sincérité et, et d'enthousiasme aussi, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, il y a aussi un, un phénomène de vieillissement qui amène de nouvelles personnes et toujours plus de gens qui, qui, découvrent, qui découvrent le jeu et le jeu vidéo et, et en fait toutes les formes d'expression ludique dans nos sociétés. Et, et c'est quelque chose que je trouve très positif. Euh, bah du coup, je te remercie beaucoup, Ami, euh, d'avoir accepté euh, mon invitation. Enfin, merci à toi. C'était vraiment super intéressant. J'espère que, que toutes les personnes qui sont arrivées au bout de, de ce long entretien euh, auront pris autant de plaisir que moi à, à t'écouter et, et à prendre un petit peu tes, tes avis sur, sur l'industrie du jeu vidéo. Euh, bah du coup, moi, je vais vous dire à la prochaine. Euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et à bon entendeur, salut. Ciao. Salut.